Salut tout le monde, c'est Kira, on est de retour sur Scrap Mechanic Survival. On était en train de récupérer du bois pour créer notre premier véhicule, puisqu'il nous faut du bois. Voilà, il nous faut du bois, il nous faut énormément de bois. En vrai, ça va assez vite, puisque en soi, c'est voilà, on en ramasse 10 par 10, donc là, on en a 63. Donc, on va détruire encore quelques arbres, et ça devrait le faire sans trop de problèmes. On va pas trop être emmerdé avec le bois. Donc en tout, je crois qu'il nous faut... 150 bois je crois. Si je dis pas de conneries. On va regarder. Je vais retourner, je vais récupérer je vais en récupérer encore un peu. Et ensuite j'irai revérifier. Hop là, on va péter ça. En vrai il nous en donne vraiment beaucoup par arbre hein. Il nous en donne vraiment beaucoup. Alors si vous avez laissé des commentaires dans la dernière vidéo, comme d'habitude je tourne deux vidéos à chaque fois à la suite. Donc je ne pourrai vous lire que du coup dans la prochaine vidéo. Ce qui est tout à fait normal. Alors la dernière fois j'étais un peu déçu hein, je vous avoue de perdre toutes mes récoltes. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais c'est la vie. C'est comme ça, on a été mauvais. Hop hop hop, on récupère du bois. Allez c'est parti. Yes. Ils sont généreux sur le bois hein. C'est pas trop galère. Non, non, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, je peux le découper à distance, regardez. Je peux le découper à distance, formidable. Bon, c'est la petite session un peu chiante du début d'épisode. Veuillez m'en excuser, mais c'est important. Voilà. Très bien. Et donc là, on a combien de bois? On a 113. Je vais revérifier pour voir on en a besoin de combien. Hop, alors, déjà on peut créer ça, bah écoutez on va créer du coup le driver seat et du coup il nous en faut encore combien pour qu'on crée deux roues. C'est quoi ce bruit? Ah c'est ça qui fait ce bruit là? D'accord. Bah du coup il nous en manque 27, c'est ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est à l'intérieur du vaisseau? Ok, ça doit être le... C'est super étrange. Ok, il nous en manque pas beaucoup du coup. Tiens, l'arbre. On détruit la nature, nous. Non, là. Ah, c'est à l'intérieur. Oui. On arrive sur une planète et on la détruit complètement. Voilà. Super. Très réaliste ce jeu. Allez, 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 allez. Ok, il nous en manque combien? On en a 33. Il nous en manque encore, du coup. Ça, et ça devrait suffire. Normalement. Alors après, comment on construit notre véhicule avec des blocs de quoi? On peut utiliser des blocs de métal? On peut le créer en bois? Je pense qu'on peut utiliser un peu tous les blocs qu'on veut. Je vais le faire en métal, peut-être, je sais pas. Ah non, le métal, c'est beaucoup trop important. Très bien. Alors là, du coup, on peut récupérer ça. Et on va créer, du coup, deux roues. Et ce sera plutôt pas mal. On va déposer des choses là qui nous servent à rien. On a trop de trucs sur nous. En fait, tout ce que j'ai récupéré, les trucs inutiles, là, on va les jeter devant. Ça sert à rien. Bah, c'est tout en fait. Tout le reste, je vais en avoir besoin. Hein. Voilà, on crée une nouvelle roue. On va récupérer aussi cette roue. Ah là là, mon inventaire est full. Mon inventaire est full. Tiens, je vais boire du lait. Voilà. Et on va prendre une tomate. J'ai déjà une tomate ici. On fait de la place comme ça, c'est bien. Voilà. Très bien. Et là du coup, on récupère encore une roue. Très bien. Bon, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour créer notre premier véhicule. On va regarder un peu le tuto. Alors déjà, on va devoir poser ça. Très important. Ensuite, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc veuillez m'en excuser, c'est compliqué. Hein. Compliqué pour moi. Hein. Donc là, on doit mettre des blocs. Alors, là, je peux prendre n'importe quel bloc, du coup. Si je prends ces blocs, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais est-ce que vaut mieux pas utiliser des blocs... Bon, allez, je vais utiliser des blocs en métal, c'est pas grave.
monde va m'en vouloir. Voilà. Voilà. Ok, là c'est pas mal. On a la base du véhicule. Après je peux les récupérer les blocs de toute façon. Ensuite nous allons mettre du coup le. Alors je peux peut-être trier par tools interactive. Voilà, ça c'est mieux. On va le mettre ici. On va le mettre en avant de cette façon. Est-ce que là il est bien mis? J'ai l'impression qu'il est plutôt bien mis. Formidable. Ensuite nous allons placer le moteur à l'arrière. Je fais le véhicule basique, hein. Je m'emmerde pas à faire un véhicule incroyable. Là c'est juste pour pouvoir se déplacer. On va le mettre du coup bah derrière. Là. Voilà. Ensuite on va le lever. Attention. Hop. Voilà, formidable, formidable. Donc on va commencer du coup à rajouter. C'est là qu'on va... Attends, il en faut combien? Il en faut... Ah, il en faut que 2 finalement. Ah non, il en faut 4. Ah mais il en faut plus que ça. Attends, il en faut 2 pour l'avant et 4 pour... Ah, on doit en créer 2 supplémentaires. Mince. Oh, ça va. Ah bah attends, j'en ai 5 donc il m'en faut encore 1. Okay, il m'en faut 1 supplémentaire, c'est tout. Et ça on va les mettre du coup en dessous. Hop. Hop. Juste devant, hein, pas besoin d'en mettre plus. Très bien. On ressort le métal. Le métal. Voilà. Et derrière aussi, bah oui, forcément. Partout. Hein. Dire que j'avais fait tout ça il y a 3 ans et que là je me rappelle plus du tout. Voilà, ensuite du coup on met les plaquettes. Les petites plaquettes. Petites plaquettes sur les côtés, c'est ça? Sur les côtés, on va les placer là. Voilà. Et ensuite on rajoute du coup les roues. On peut rajouter les roues de merde comme ça ou alors il faut les réparer. Ah mais j'avais déjà plein de roues, attendez. Mais j'en avais... Ah mais non, non, je dis de la merde, mais non. En fait, c'est une roue par une roue. Mais je peux rouler avec ça? Faut pas les réparer? Un peu dégueulasse, quand même. Bon, bah écoutez, on va... On va tester, on verra bien, hein. Ils sont horribles, ces roues, ça marchera jamais. Bon, on verra bien. Et... J'ai oublié de... Ah non, d'accord, il faut relier le volant au moteur, du coup. Ah, j'ai besoin de créer ça, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai l'impression... Mais il n'y en a pas un directement? Bon bah je vais le créer, au pire ça fera un objet supplémentaire. Upgrade, et ensuite il faut le mettre J'espère que c'est ça. J'espère vraiment que c'est ça. Ah c'est la radio qui fait ce bruit en fait hein. Non pas du tout. Non c'est juste la machine. Bon j'espère que ça va marcher parce que là sinon j'ai mal au cœur. Collecter. Et ça, du coup, ça nous permet de relier... Ah bah voilà, mais oui. Oh là 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 là. Quel idiot que je suis. Et donc là, je relie... on va bien regarder. Et ensuite, je relie les roues au moteur. Donc les roues... Il faut pas que je me trompe, là. Hein. Donc les roues au moteur. C'est bien ça, hein, toutes les roues au moteur? Non, non, faut pas relier toutes les roues au moteur. Ah mais il y a une deuxième page en fait. Ah d'accord. Je crois que j'ai compris. Ça je les relie du coup. Ici. Voilà. Ah je peux pas connecter plus de... D'accord donc je dois relier uniquement le derrière. Ok c'est bizarre parce que sur le plan on peut en connecter beaucoup plus. Donc c'est un peu étrange. Donc là on peut choisir la direction des roues. Si je veux avancer du coup c'est comme ça. Voilà si je veux avancer c'est comme ça, parfait. Ça va faire du deux roues là aussi. Et donc là si je veux tourner
Ça m'a l'air d'être comme ça. Parfait. Ensuite, du coup, on va remonter un peu ça. On va enlever. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Désolé, hein. Et ensuite, on peut activer le moteur. On peut mettre de l'essence et conduire. Ah, si j'active le moteur, ça marchera pas. Il faut mettre de l'essence, bien entendu. Ne pas oublier l'essence. Hop, on va prendre de l'essence. J'en ai pas beaucoup, mais on va tester. Voilà. Et là, ça fonctionne. Alors, je me suis trompé sur le... Ouh là 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 là. Attendez. Je me suis trompé sur quelques trucs, là. La rotation est pas bonne. Ok, faut changer celle-là. Là, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Très bien. On allume le moteur. Et ça devrait fonctionner. Ouais, oh là là, ça a du mal. Hein. Oh, ça patine. Hein. Oh, ça patine sévère. Hein. Oh mon dieu, notre premier véhicule, il est dégueulasse. Hein. Très bien, mais écoutez, ça fonctionne. Je vous propose, de rien faire d'autre. Hein. Parce qu'il fait déjà bientôt nuit. Mon dieu, le temps est passé tellement vite. Et ça utilise beaucoup d'essence ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Bon, il galère un peu parce que j'ai pas mis le moteur au maximum, je pense. Bon, je vais juste aller faire un petit tour. Ah non, mais les roues, par contre... Les roues, c'est pas ça. Hein. Le pire véhicule. Ah, oh, ça patine. Ah, oh, les roues, ça patine. Ah, oh, ça galère un peu. Hein. Ah, c'est... On sent que c'est le début. Hein. On sent que c'est le début de l'aventure. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai envie de dire. Juste envie de dire mon Dieu. Oh, formidable. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Je suis quand même satisfait. Je suis quand même satisfait de la chose. J'aimerais bien aller au garage maintenant, mais j'avoue qu'il reste 3 heures. C'est peut-être pas une bonne idée. Parce qu'ils vont bientôt attaquer le champ. Et j'ai pas envie de refaire de la merde, comme j'ai fait la dernière fois. Donc, je vais défendre le champ. On va quand même se diriger au garage après qu'on aura défendu le champ. Oh, ça vient de pousser maintenant. Oh, c'est formidable. Oh, c'est en train de pousser avant l'attaque. Allez, 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 allez. Allez, go pousser, là. Je peux le récupérer, là? Oh, oui. Et il reste 20 secondes. Ah, mais trop bien. Bon, en vrai, il n'y a plus rien à défendre, donc... qu'est-ce que je fous, là? Qu'est-ce que je fous, là, en fait? J'ai eu le temps de récupérer, mais en fait, il n'y a pas besoin du tout de fertiliser... De fertiliser tout ça, quoi. Ça pousse vite, même rien qu'avec de l'eau. Hein. Juste à temps, mais... est-ce qu'ils vont quand même attaquer? Ah, du coup, il n'y a pas d'attaque. Donc, c'est bien ce que vous m'avez dit. Très bon conseil, en tout cas. Vraiment, merci. Ouais, quand on met 9 plantes, 9 légumes, quand on plante 9 légumes ou 9 fruits, il ne se passe rien. Eh bien, écoutez, merci pour l'info, en tout cas. Ça a l'air de bien marcher. Tiens, on va planter les pommes de terre. 4, 5, 6. Ça n'a pas poussé. 7, 8, 9. On a mis 9, très bien. Franchement, l'info, très bonne info. Hein. Très pertinent, en tout cas. Ça va beaucoup m'aider parce qu'au moins on sera tranquille. On sera peut-être pas obligé de revenir à chaque fois ici. Et de toute façon, je pense qu'on va pouvoir se faire un potager ailleurs. Hein, parce que là, je le fais là pour l'instant. Il est encore ici, mais en vrai, on va aller au garage après et on va voir ce qu'on peut faire au garage. Il y aura certainement tout ce qu'il faut au garage. J'ai quand même arrosé tout ce bordel. Je peux en arroser 2 normalement. Ah non, là par contre, là ils sont pas d'accord là. C'est un peu chelou. Là ils sont plus d'accord. Là ça va plus là. Là ils vont attaquer par contre. Mais merde, j'arrive pas à en arroser 2. Voilà. Hop. Encore un. Alors c'est vrai que j'ai 2 bacs, je pourrais utiliser les 2 bacs. Voilà. Bon bah très bien. Bah écoutez, je vous propose de suivre dès maintenant la route. Et de se diriger vers le garage. Ah, on peut relier des trucs à l'intérieur, attendez. Ah, c'est la lumière, d'accord. Je peux pas la récupérer, la lumière. La lumière, la light. Ah, ça va beaucoup nous aider si on veut créer un... Si on veut créer un véhicule avec des phares. J'avoue que là, il a pas de phare, donc on va pas voir grand chose.
Alors c'est parti, je vais mettre le moteur, on va pas mettre au maximum, on va mettre, voilà, on va mettre ici. C'est parti. Allons-y. Avec le véhicule le plus pourri de l'univers, dirigeons-nous sur la route. Regardez comment ça tremble. Je comprends pourquoi certains m'ont dit de pas créer un véhicule tout de suite. Mon dieu. Bon, au moins ça nous a remis un peu dans le bain, ça nous a permis de comprendre. Ah ouais, non, mais c'est vraiment pourri, hein. Ah ouais. En fait, tant qu'on n'aura pas de meilleures roues, on pourra pas avoir un truc potable. Oh là 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 là, mon dieu. On va voir si c'est si on roule mieux sur la route, mais j'ai des doutes. Hein. Oh là 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 là, la gueule du véhicule. On entend le moteur qui claque là. C'est vrai que mon personnage il est pas du tout confiant. Il est clairement pas confiant. Il y a la route là-bas. Direction la route. Oh là là. Direction la route. Ah ouais, c'est les roues, hein. C'est les roues qui sont quand même vachement pourries. Hein. Voilà, on est sur la route. Ah, c'est un peu mieux, légèrement mieux. C'est pas incroyable, mais c'est légèrement mieux. J'hésite à mettre le moteur à donf. Ouais, on arrive, ouais. Qu'est-ce qu'il y a en face? Hein, il y a un passage. Quoi? On passe dans le tronc d'arbre, là? À quoi ça sert de passer dans le tronc d'arbre? Bon, je vais le faire parce que c'est drôle. Mais j'aurais pu passer à côté, quoi. Oh non, c'est chiant. Pourquoi je suis passé par là? Oh, pourquoi je suis passé par là? Allez, go. Allez, on avance. Mais pourquoi je suis passé par là? Je recule. C'est un piège. Non, mais quel est l'intérêt, là? On va passer par ici, hein. Hop, on va passer là. Juste à côté. Je pouvais clairement tout faire à pied, hein. Là, c'est vraiment... C'est vraiment pour un plaisir personnel, hein. Là, on peut aller à gauche, du coup. Et là-bas, on a du coup un grand bâtiment. Ah, mais regardez, il est là-bas, le garage. Oh là là! Là-bas, le garage, je le vois. Je l'aperçois. Eh bien, écoutez. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. On se garde le garage pour la prochaine fois. Ouais, on se garde le garage pour la prochaine fois. On va s'arrêter juste ici. Et on se garde le garage pour la prochaine fois. Je pense que ça peut être pas mal. Regardez, on s'arrête ici, là. Voilà, au niveau de la mer. Vue sur la mer avec notre véhicule. Et la prochaine fois, nous irons fouiller, du coup, le garage. Et nous découvrirons certainement notre base. Et on pourra s'installer ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit bien entendu à la prochaine pour aller fouiller le garage et commencer le jeu. Parce que je pense que ça commence vraiment au garage. Merci à tous, portez-vous bien, salut.